héritier, dans mon héritier, était dans des polémiques inutiles. Mais comment Moussa Kimlingo, que j'ai regardé, se permet d'insulter héritier gratuitement comme ça? Tout cela doit être arrêté. Il faut cela. Dans mon humanité, en train d'insulter, bon, toi na bana, nos enfants aujourd'hui, ils ont accès à téléphone. Ils ont accès à internet. Nous qui sommes parents, il faut te prendre par de bons exemples. J'ai vu Maniké en train d'insulter Ndoto ya moisi ya maman ya Mutumoro. Ah ? Et ça passe. Il y a des gens qui regardent ça. Nous avons le CESAC avec notre frère Christian Bossembe. C'est un frère, nous avons travaillé. Moi j'ai travaillé ensemble avec Christian Bossembe à la RTGA. Je connais les talents de Christian. Mais Christian, s'il te plaît, cher ami, cher frère, cher confrère, aujourd'hui vous êtes une autorité. Mais il ne faut pas laisser passer ce genre de messages. Il faut sanctionner. On ne peut pas permettre des gens qui se réveillent le matin insulter Banzot et Abamama Yabato. J'ai vu Maniké le faire dans une vidéo virale sur Internet. Comment on fait passer ce genre de gens? Et il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de temps sur Internet. Confine la bateau gratuitement. Insulter les gens. Et puis pour ma fille, au fin de la bateau, ça ce n'est pas normal. Moi, Trésor, je m'insurge contre tous ces genres de pratiques. Et je le dis tout haut. Quand on le bat, c'est moi, j'assume mes propos. Peut-être bon, niveau moroté, héritier, c'est un patron qui a derrière lui des vies à bateau. Héritage, il y a une délégation, il y a 30 personnes, il y a plus de 20 personnes, comme Manapoto. Et on vient comme ça gratuitement à l'occasion de rien l'insulter. Ça, ça doit arrêter. Et je le dis tout haut devant ta caméra. Il faut cela. Lelo yo Fali Poupa, waza misia mune na mboka na biso, 54 visa, bebele pe bazui ba 5 ans, donc est-ce que za ma ambasika 54 visa na mboka na biso, parce que na mouni bazo lobe la ngo trop, polémique za vraiment moi trop par rapport à 54 visa, dico. Non, koloba geza li kambwa, ma kambwa si keza lukuta. Ça? Non, koloba geza ma kambwa si ka, ça c'est faux. Ce qui est vrai, ça c'est une nuance, c'est ce que les gens ignorent. Il y a que depuis un certain moment, depuis que le mouvement y a des combattants et bandits, les visas et comment qui quand même moi passé. Vous comprenez? Voilà. Surtout aux Zango et Belé Boy. Avec tout ce que les musiciens basent vivre actuellement, naba Makambo Zosa, Manapoto, les combattants qui écrivent dans ma ambassade partout. Depuis un certain moment, qu'aux Zango visa et Belé Boy, ils allaient qui moi passé. Ce qu'il fallait faire, c'est une prouesse. Vous comprenez? La période Oyo, musique et comment et comment. Mais dire que 54 visas, c'est la première fois. Non, ça c'est faux. Parce que les gens vont se souvenir. En 2001, quand Werason allait jouer à Bercy, Weramema, combien de personnes? Weramema n'a pas balé à Pende, n'a pas Kuba, n'a pas Kuba, n'a Bercy n'a pas. Weramema, combien de personnes? C'était une soixantaine, si j'ai bonne mémoire. Parce que les gens qui vont nous regarder, baba, à l'époque, Trésor, tu étais où? Mais moi, à l'époque, j'étais toujours aussi dans mes hommes. J'étais toujours près de Wera. Je n'étais peut-être pas ma statue là, dans le journaliste, mais j'étais là. Moi, j'ai commencé à fréquenter les Wenge. Quand ils étaient encore ensemble, j'étais tout jeune, mais j'étais dans le rouage à Wenge. Je voyais comment est-ce que les choses se passaient. La galerie, la fleur, bureau, il y a le roi de la forêt, Zakiwana. J'avais vu le nombre de passeports. Moi, j'avais vu, j'étais témoin. J'avais vu le nombre de passeports. Zaka et Belé, où avait ramené les balais Pende, les balais Kuba. Tout ça associé à tout son orchestre et les danseuses. C'était une soixantaine de visas à cette époque-là. Papa chéri Jibem Piana, aussi à son Bercy. Les images sont vivantes. Les images sont palpables. Oui, Jibem Piana avait ramené une dizaine de danseuses. Jibem Mema des groupes. Ça dit qu'à Mema, Wenge BCBG n'a rien normal. À Mema n'a pas pipiou. Est-ce que vous voyez bien? Naïbi. Dire que le vrai
vrai phénomène céphalie pour pas parce que oh yazo sala lelo et salamate et mon ponant non ça c'est mon inga et l'eau comme une mission et au sala lelo des accords à combattre et battu en dehors. Vous savez, dans ces pays, l'antivaleur est comme on a place, il y a la vraie valeur. Au moment où il y a Tongo, il vient citer le nom de quelqu'un gratuitement. Aïe, pena boye, nanyoyo, nanyoyo, ayete, boye. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas bien. Le nom du Wera phénomène, c'est un nom qui ne lui avait pas été donné par lui-même. C'était par les journalistes phénomène de cette époque là et ça combo et journaliste et ma ça éthique nabisso journaliste à côté de la case journaliste mais ici je vais essayer d'être comme un analyste pour apporter quand même analyse moro objectif côté ça est passé pour dire que tout ce qui est fallu à y comme réalisation et ça fausseté parce que à ça la preuve où ils ont la guise à que Makamboyo artiste a réalisé ça et ça l'okuta il a confirmé à l'opinion publique que lui il a des preuves qu'il était en train de mener des enquêtes auprès à Vivendi auprès à SNEP pour certifier Makamboyo. Mais nous, on n'est que là pour attendre ces preuves-là. Salut, c'est la vôtre Glody Diasuka, la mignonne. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle pour vous, partout vos amis, pour télécharger Sendwave. Sendwave, c'est une application pour envoyer de fonds sans frais à partir d'un téléphone Nayo ou télécharger Sendwave. Aux Alapoto, au Koki Koutina Mbongo, partout, dans certains pays, il y a Afrique, précisément, Bissona Congo, aux Atosana Posa Souya, pour se déplacer, à partir d'un téléphone, télécharger Sendwave Nayo, au Tindi Mbongo, la seconde, Moutoupe Azui, la téléphone Naye, la MPSA, Orange Mani, Airtel Mani. Très facile à utiliser et c'est très sécurisé. Bobangate, Tara Namuru Nazana Kati, et puis cadeau, il y a Nene Oyo, ton mail bino nos bozo télécharger Sendwave, bo utiliser code promo Nanga Elengi Yakongo. Donc après avoir téléchargé Sendwave, vous pouvez utiliser code promo Elengi Yakongo, vous en a 10 euros offerts, 10 euros bonus, 10 euros wana, et bah si ce sont moi un plus nambongo au lina qui au tinda. En tout cas, n'hésitez pas. Bana poto nyonso ba congolais tout ba diaspora au lingi au tinda mbongo na Congo. Télécharger Sendwave, application Kitoko pour la biso, ba congolais nyonso ayez pour faciliter biso transfert d'argent sans frais pour la mbongo au futate. Kaka na kati application au sali transfert na yo pende kono kuna enquêter le maté na mulongo pour na ozela ba pese mbongo directement na téléphone na ye azum mbongo na ye. N'oubliez pas, il y a pour utiliser code promo Nanga Elengi ya Congo pour na bozwa 10 euros ya bonus. Téléchargez l'application, inscrivez-vous, votre va coordonner. C'est très facile à utiliser, le nom complet, le numéro, email, tout et que c'est on a kimia nyonso na tranquillité après avoir qu'on remplir nyonso à partir à wana oui pour ça la transfert na yo ya ba fond oyo lingi na Congo ne kona yo aza satisfait malade au boutou moyo kende otinda mbongo soki wapite na téléphone na yo kaka directement ou envoyer mbongo pe komi na sécurité nyonso congolais tout aux na Belgique na France na diaspora tout le monde na mbongo na Congo ko hésiter te Sendwave et yé pour na ko faciliter biso na ba transfert d'argent facile et sans frais. Sendwave, mbongo na chombo, la tranquillité. Spécialités africaines en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. On laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit.
Venez déguster de grillades, du poisson, ntaba, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito, Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Sacerdos irata raté, jamais irata. Alors c'est votre frère, prophète des nations, Père Conde Israël. Nous venons de Kinshasa après plusieurs temps d'absence. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes bien récits au Congo-Kinshasa, mon pays. Que Dieu soit loué. Alors, je voulais dire à une personne, nous sommes de retour en Europe avec force. Nous avons récupéré nos entités parce que je connais le Dieu de Moussa Haïdi Nabal. Je connais le Dieu de l'apôtre Boulia. Ce Dieu-là n'a jamais changé. Alors, je voulais dire à une personne, tu as perdu tes années. C'est-à-dire, tu as perdu tout ce que tu avais. Tu as perdu le mariage, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes projets, tu as tout perdu. Mais je connais ce Dieu-là. Tu peux récupérer ce que tu as perdu. Si ton Dieu est mort, essaie un peu, mon Dieu. Sacerdoce et Rataraté. Essaye un peu, mon Dieu. Viens ce dimanche à Créteil. Envoie Félix et Boué ce dimanche. Tu verras ce que Dieu va faire. Mais avant de venir, essaie de nous contacter. Prends ce numéro. 0033 7 66 27 40 02. Appelle-moi avant de venir. Et tu verras ce que Dieu va faire. Sacerdoce et Rataraté. Jamais rata. Soyez bénis. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Please, toujours présentée par Mathieu Bonchet Outremadi, Mathieu Bonchet 001, Mathieu Bonchet face à Trésor Lumière, notre grand frère, notre aîné, et pourquoi pas mon confrère Yamoussala Otosalaka. Avec lui, on va parler tout sauf rien, surtout par rapport à l'actualité musicale, politique dans notre pays, et pourquoi pas tout cela, ou Etali Mboka, ou Yabisotoye Bamboka, et Kokende Boni. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'ai dit et je répète, Mathieu Bonchet, sans polémique, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Boutika Rubambela, nga o nga nazala kentel. Non, naza pona ba musicien tout. Quand on a bandi carrière lobby lobby, beaucoup misanga musicien mutumoko. Non, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais à condition au pays sabiso respect. On est là pour bien travailler avec vous. J'ai dédié cette émission à Pablo Kini, les grands déclarants Pablo Kini, Moutoua Romimanga la poto, pour quelques jours. Pablo Kini, les grands déclarants. Naba histoire à ba déclarant, depuis Toyeba, Moutoua Pessiango Valère, Pablo Kini, à Mama Poupette, merci beaucoup. Et merci à Pipi de Lyon, merci à Sénateur Yann Zambé, Bobatela. Double sentir, mécène. Il y a tous les patrons qui est Pablo Kini. Merci pour la visa. Na robeta moi tourmore à Europe. Et ça là vraiment bien. Et merci à le PDG Monsengo MMPT Balobi. Notre patron MMPT. MMPT patron. Le PDG Monsengo. Merci beaucoup pour la cadeau. On a reçoit bientôt là. Na rolobate. Merci à Rodi Mukendi. Garçon très, très responsable. Voyager facilement pour le Canada avec Vision Travel. Toujours avec la joie qui tenge Vision Travel avec 1 400 $, 1 400 € bas congolais. Olela moi trop Luca Vision Travel au Rukende. Prise en charge au Félé, prise en charge gratuite, prise en charge assurée par agence Vision Travel. Très, 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 très fort. Merci à Eric Mukweso, voilà ma partenaire. Eric Mukweso, Balobi, Mezo Efraïm, mon côté, ba original, en face, il y a Planète du Quartier, et à Massina. Donc, Koutabiso d'Abibwa, Koutabiso, na commerce, au moment, na panneau, ya mounene, entre les boss, Eric Mukweso. Et les patrons et notre pasteur Moïse Mbillé, Maison Ephraim, mon côté, mon côté, mon côté. Et merci, Nbana Tchangba Lobby, pour voter. Maître Kaye et Kadianga, Babi,
oyaza espoir yabana changu toko voté yo nanko. Merci vraiment na ozosala pona bana changu. En exclusivité mesdames et messieurs, je suis avec Trésor Lumière. Je vais recevoir pour vous votre chroniqueur préféré, mais lui c'est un journaliste parce que il est toujours intelligent, exemple à suivre na ba chroniqueur bakoya na mboka na biso. Trésor Lumière, bonjour. Bonjour Mathieu Bonche, merci beaucoup en tout cas. Nazomona Moussala, nazomona mon évolution na yo depuis le début. Nandengozo mata vraiment Moussala kitoko. Et puis une fois toi là, on a parlé chez nga, on a fait ça au conseil moro. Na moni bina des points certains moments. Ozo c'est la conseil ango, donc c'est très bien. C'est très très bien, je te trouve professionnel dans ce que tu fais. Na Moussala na yo, pas de polémique, pas de des insultes inutiles. Vraiment Mathieu on est là. Non, c'est la rare question là. Voilà, bonne santé na ubungi moi trop na moni yo tozo kutana. Te bonne sango ya wenge musique à maison mère na lisanga mobimba famille. Ezo ke boni. Non, ça va. Hein? Ça va très 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 bien. Donc on est là. Biso za bato yo apparition na biso bo na média. Ils ont reçu un message à Rosale. Voilà. D'abord, je suis un journaliste, j'ai mon émission qui passe. Alors, quand il faut, il y a une émission de Mathieu Bonche-Boye. Il faut que je me rende à Roloba, son lobby, et diffuser les bateaux. Tu dois comprendre que, ah non, ce monsieur-là a quelque chose à dire. Parce que TV, nous, on a un mot média. Il faut à chaque fois toujours au lécatoire apporte quand même plus. Donc mon toi zo talayo, pas à la édifier, à comprendre que non, ces messieurs apportaient quand même un message fort. Donc ça va, maison mère c'est bon. Oui, Rasson, le roi de la forêt en forme. Nous avons un binôme, on commence que ma répétition de Salamana. La Kimponza British. Donc avec Wenge Musique à maison mère, oui, Rasson qui a été toujours un collaborateur privilégié pour moi. Ça se passe très 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 bien. Voilà, merci beaucoup. Mais tout ce qui est l'actualité, ma absence nous a trop na, par rapport à ma voyage à Londres. Tu es bien voyage à Rana orchestre. Pourquoi ce qui il y a un problème et tu es à la stratégie. Il y a une musique à maison mère. Non, non. Tu sais que Trésor Lumière aujourd'hui aussi, à part le fait que Zala chargé à communication, il y a le roi de la forêt. Tous à peine à occupation ming, hein? Tous à peine à engagement à politique sur le plan sociétal, peut tout ça à ma responsabilité belé. Et tant que vous avez voyagé, il faut et qu'au canapé na agenda n'engage au fait. C'est à dire que ceux qui peut na maramusu na salaka et que na zali libre permettre peut que na accompagner wenge na voyage d'okay. Mais ceux qui peut voyager écouting écouti peut que Trésor Lumière na moment wana na na moment kambumo peut on a tout ça là. Oui, permettre d'accompagner le roi de la forêt, ils ont un problème. Parce que chaque fois, quand le roi de la forêt voyage à Tounaga, à Lumière, est-ce qu'il y a une période où vous allez être dispo pour effectuer un voyage? Donc, il dépend de la disponibilité. Donc, quand je suis dispo, c'est alors que nous aurons temps pour nous occuper. Même chaque déplacement, tout ça, dans le roi de la forêt, nous allons en accueillir. La série si ces jours on a bangoté, si on a salé l'eau, on a ressalé la zone avant. Voilà. Donc ça dit que j'ai aussi d'autres responsabilités où je dois assumer, où je permettrai de bisoter peut-être tant qu'au Canada. Mais du moins c'est bon. Pour un voyage à Libosso à Londres, et Nazari a disponibilité à tenter. Ça c'est vrai. Le roi de la forêt m'avait proposé, mais tant Nazari a disponibilité à tenter parce que je devrais aller faire certaines activités politiques dans le niveau de Kisangani, Nazari tenter. Mais Oyo Yami Balé, j'avais le temps, mais malheureusement, Tokotaki, nous étions quand même un groupe de beaucoup de personnes. Tozoaki visaté. Voilà. Tozoaki visaté, j'étais pas le seul. Donc il y avait les comédiens. Il y avait d'autres artistes et musiciens aussi que le roi de la forêt devrait ramener à Londres pour que la musique est zone officiellement. Mais toujours qui visait parce qu'il y avait une main noire. Comme Bango, la première délégation, ça a été dans un visa là-bas. Il y a 6 mois. Voilà. Il y a un monde qui a tourné dans un visa là-bas. Mais Bissot Faïto, Bakisa, mon équipe, Bissot Nyon, en tout cas, toujours qui visait. Voilà, tant que tu es là, visa, tu as tapé Mbala Moko et. Lelo yo fali pou pa pas amisia mouné na mboka na biso 5 à 4 visa et bébé pe bazui ba 5 ans bazui ba 4 ans d'abord attaque congolais c'est le bon une fierté
une fierté. Vous pensez, bon, on est comme une phase moro les loyo. Il faut tout ce qui est vérité, mon pésar ou le bas vérité. On lobby pésar vérité, c'est une fierté aujourd'hui. Musique à Congo, tu es qui a combattu. Depuis que nous avons nos compatriotes qui sont en Europe, qui combattent la musique congolaise, qui ne veulent pas que les musiciens puissent aller loin, qui ne veulent pas que les musiciens puissent travailler, qui ne veulent pas que les musiciens puissent se produire en Europe. Mais quand on voit comme ça, et que l'ambassade, et bien nous fongouama, nous comprendre que les musiciens ont un problème, et que vous avez un visa, pessibino. Mais c'est bien pour la musique congolaise. Mm. Oui, parce que combien de fois j'ai été victime, il y a osant un visa. Parce que osant qu'il n'est pas compte à musique, boké osant un visa en bonne et due forme, vous présentez tout, on ne vous le donne pas. Raison exacte. Mais soyez les lobes ambassade va comprendre que il faut voir un arabe sarabat musicien bas visa, bas que nous salam musala na bango, bas zongi n'engi bas pèse sarabat politicien. Ne va pas sera député, ne va pas sera joueur, ne va pas sera tout, c'est très bien. Donc c'est quelque chose à féliciter. Félicitations à l'artiste pour ce qu'il a fait et on attend voir son concert. Yeah, oui, c'est bon, c'est très bien. Voilà, merci beaucoup. Félicitations à Fally Poupa pour le visa. Donc est-ce que ça m'a ramassé 54 visa na mboka na biso parce que na moni bazo lobelango trop polémique, ça vraiment moi trop par rapport à 54 visa. Non. Kolobagezali makambwasi keza lukuta. Ça? Non, kolobagezali makambwasi ka, ça c'est faux. Ce qui est vrai, ça c'est une nuance. C'est ce que les gens ignorent. Ils ont que depuis un certain moment, depuis que les mouvements yaba combattants et bandits, les visas, et comment qui quand même moi passé. Vous comprenez? Voilà. Surtout Kozoango et Beleboy. Avec tout ce que les musiciens. Bazo vivre actuellement na ba makambo zo sa manapoto les combattants qui écrivent na ba ambassade partout depuis un certain moment kozo ba visa et belé boyé ezala ki moi passé c'est qu'il fallait faire c'est une prouesse vous comprenez na période oyo musique et comment ninge comment mais dire que 54 visa les a première fois non ça c'est faux parce que les gens vont se souvenir, en 2001, quand Werason allait jouer à Bercy, Weramema combien de personnes? Weramema n'a pas balé à Pende, n'a pas Kuba, n'a pas Kuba, n'a Bercy, n'a pas. Weramema combien de personnes? C'était une soixantaine, si j'ai bonne mémoire. Parce que les gens qui vont nous regarder, baba, à l'époque, Trésor, tu étais où? Mais moi, à l'époque, j'étais toujours aussi dans mes homères. J'étais toujours près de Ouera. Je n'étais peut-être pas ma statue, le journaliste, mais j'étais là. Moi, j'ai commencé à fréquenter les Wenge quand ils étaient encore ensemble. J'étais tout jeune, mais j'étais dans le rouage à Wenge. Je voyais comment que les choses se passaient. La galerie, la fleur, bureau, il y a le roi de la forêt, Zakiwana. J'avais vu le nombre de passeports. Moi, j'avais vu, j'étais témoin. J'avais vu le nombre de passeports, Zaka et Belé, où avait ramené les balais Pende, les balais Kuba, tout ça associé à tout son orchestre, les danseuses. C'était une soixantaine de visas à cette époque-là. Papa chéri Jibem Piana, aussi à son Bercy. Les images sont vivantes, les images sont palpables. Jibem Piana avait ramené une dizaine de danseuses. Jibem Piana, des groupes. Ça dit qu'à même Wenge BCBG na yé normal, à même na ba pipiou. Est-ce que vous voyez bien vous? Naibi. À même na ba pipiou, ba Dolin, ba Jensan, ba Papi Kalombo. À même des orchestres. Donc à même orchestre titulaire, na au deuxième orchestre na yé, na Bercy à JB, avec une dizaine de danseuses associées na ba staff, na ba, c'était combien de visas? Donc ça veut dire que les locaux y a sikaté. Ils étaient locaux, ils arrêtent déjà la musique congolaise, mais du moins la période Oyo, que la musique est combattue, Oyo, que la musique est devenue quand même difficile, soyons honnêtes, par rapport à tout ce qu'on vit, Fally a fait quand même une réalisation exceptionnelle avec 54 visas. Voilà, mais il y a déjà aussi au Baoli Kanaba Télévision pour dire que le vrai phénomène, c'est Fally Poupa, parce que Oyazo Salalelo et Salamate. Un mot pour nous. Non, ça c'est. Moninga, et là, on a une mission à Salalelo, ils ont combattu les battus en Nengora.
Vous savez, dans ces pays, l'antivaleur est comme une place, il y a une vraie valeur. Au moins, dans Moutalamou, il vient citer le nom de quelqu'un gratuitement. Aïe, pena boye, nanyoyo, ayete boye. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas bien. Le nom du Ouéra Phénomène, c'est un nom qui ne lui avait pas été donné par lui-même. C'était par les journalistes Phénomène de cette époque-là. Et ça, combo, et journaliste, par rapport à ses réalisations, par rapport à ce que Ouéra était en train de faire, cette popularité-là, que la musique congolaise n'avait pas connue avant ça. Nous avons connu les grands artistes et musiciens. Nous avons connu Luambo, nous avons connu Tabouley, nous avons connu tous ces gens-là. Mais on n'avait pas connu les musiciens avec une telle popularité. Nous, on voyait musiciens menés fanatiques à la crise, car pas Michael Jackson. Avant l'épopée, on a Wérasson, les musiciens basaient se produire dans la barre. Au moins, un musicien a vis-à-vis un petit concert. Au moins, un musicien qui est en Gandamo, on a un petit concert. Mais soyons quand même honnêtes. Bato, il y a eu popularisé la musique à Congo. Entre autres, le roi de la forêt. On peut encore associer au phénomène où il rassonne Papa Chéri Jibem Piana. Dans un moment, il y a politique. Et dans un moment, il y a polémique. Excusez-moi. Dans un moment, il y a polémique. Il y a popularisé la musique. Vous avez dit que la musique est commis populaire. Alors, la personne qui a incarné cette popularité, c'était Wérasson. C'est pour cela que les journalistes congolais comme internationaux, Babengaki le roi de la forêt, Wérasson, un phénomène. Babengaki est Wérasson, le phénomène de la musique congolaise, le phénomène de la musique africaine. Ça veut dire que Eza Kombo Yami Pesate. La pensée par la journaliste, pour le fait à populariser la musique, musique est comme très populaire. Vous comprenez? Voilà. Bah concert à bah stade, bah concert y a bah comment dirais-je? Y a bah palais du peuple, au bout comme un mur en Angola, c'est alors qu'à soi comme y a phénomène. Alors, ayez mais ce qui est là, ben nous voyons, Wérasson a phénomène t'es. Moutouté a un phénomène. Ça, c'est une concurrence déloyale qui n'a pas trésor dans Zako Boya. Tu m'as posé la question de Fali pour pas de ses visas. Automatiquement, dans le Bénin. Félicitations. C'est une prouesse. La période où la musique est comme combattue, qu'on a 5 à 4 visas. Et ça, bien, c'est, il faut qu'on applaudisse. Mais il y a une réalité. Il y a un trésor qui n'a pas trésor. Il y a un trésor. Pourquoi? Ce qui peut être bien, dans la réalisation populaire en République démocratique du Congo, mieux que Ouéra, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à Zaté. Pour le Bango Zabongo, il faut y avoir un bon anim. C'est là où démarche Nanga Zali. Au moins, dans les différentes émissions, Naroya Pena démarche Nanga Yangwana. C'est ce que moi je ne veux pas. Ce qui peut être loco et Zaboye, le Bango Zabongo. Pourquoi il y a eu 1 plus 1 égale 2? Donc il faut y avoir 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Au moment où mathématiques partout, dans chinois, dans arabe, dans mon tout, il y a eu 1 plus 1 égale à 2. C'est ce que moi je ne veux pas. Donc ça veut dire que les phénomènes y a Wérasson et Pesbengamaki par rapport à sa popularité, par rapport à ce que Wér avait réalisé en termes de population en termes d'engouement populaire, d'adhésion populaire, ne va pas penser comme il y a le roi de la forêt. Mais il va penser comme il y a phénomène. Mais ce qui peut être au bien, depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, en termes de réalisation populaire, c'est lui qui a fait mieux que Ouéra jusque là à Zaté. Hein? Mais pour preuve, vous avez l'analyse, il y a un stade des martyrs. Qu'est-ce que vous dites? Ça la polémique, il y a ma deuxième, il y a ma troisième, il y a ma quatrième. Mais est-ce que ça la monte à où est la première place? Na Wérasson, Mathieu, bon, tu as posé une question, mais tout ça la score banalise. Est-ce que ça la monte à où est la place? La première place, na Wérasson,
Non. On sait que le stade de Ouéra, c'était le stade le plus populaire. Oyo Tissikoyo, stade Mona ne battre record en Angote. Ça veut dire que phénomène où on a le roi de la forêt, il les garde. Alors, quand ça la concurrence moro déloyale dans le sens où on a, ça c'est. Tant Ouéra et moi, ça là qui classement à stade, pour toi, il a dit normal. Il y a numéro 1, JB numéro 2, numéro 3, Ferry. À un certain moment de la vie, nous devons savoir respecter l'opinion de l'autre. Mais Mathieu, si on se comprend. Ok. Faut deux barako respecter l'opinion à mouton. Ce qui est rassali, analyse naïe, y a y est personnel, à émettre avis naïe. Avis à ouera, et rose à la caille à yoté. Avis à ouera, et rose à la raya, moutia moutoukinganité. Ça, c'est la vie de Ouéra, c'est son opinion à lui. Que pour nanga, classement nanga yango. Mais nous ne pouvons que respecter son opinion. De respecter la vie naïe. Yo peso rosali analyse na yo na ndenge na yo. Muto asali mais du moins il faut banaliser obso to sala ezala quand même objective. Ça dit que nena ebisu ya so to ebi pena que les premiers a Ouéra en termes de stade. So en réalité on accepte. Vous comprenez? Donc nga pona nga je prône des analyses objectives. Mais ce qui monte à ça l'opinion et que tout le monde qui opinion est plus ou moins vrai doit accepter un mot. Mais chacun d'entre nous a son opinion, a son avis. On est avis à Ouéra, on le respecte. Voilà, mais pas aussi ça n'a fait où il y a bas avis, y a bas débat, bas nini. Dossier Gauthier c'est fallu pour pas pour toi. Au Jija qui est en coma parce que au monde on a qui pété. Bah sérieux on a vraiment la média. On a vu l'artiste comme fallu pour pas na nyon soisan en haut mais débat des na Gauthier c'est et puis voilà pour toi. En tout cas je vais aussi être objectif. Na dossier Gauthier c'est c'était un confrère. Malheureusement c'est un confrère que je n'ai pas connu avant ce dossier. Voilà. Albi malheureusement, c'est quelqu'un que j'ai découvert car na Makambo. En tout cas, je ne l'ai pas connu avant. Mais c'est un confrère journaliste. Bisso, Balbarana confrérie, journaliste à côté de la rage journaliste. La confrérie, na Bisso, na éthique na Bisso, journaliste à côté de la rage journaliste. Mais ici, je vais essayer d'être comme un analyste. Qu'on apporte quand même analyse moro objective. Gauthier s'est passé pour dire que tout ce que Fally a eu comme réalisation, ils a fausté parce que Azana ba preuve où ils ont la guisaque. Makamboyo, artiste à réaliser, ils a l'okuta. Il a confirmé à l'opinion publique que lui, il a des preuves. Il était en train de mener des enquêtes auprès à Vivendi, auprès à Snap pour certifier Makambwanato. Mais nous, on n'est que là pour attendre ces preuves-là. C'est un journaliste d'investigation. On est là pour attendre les preuves. Parce qu'il y a le bail qu'il a les preuves. Mais du moins dans la vie, si tu sais que l'euro n'a pas le bas, moi je pense que avant de publier quelque chose, il faut qu'on balola moi le lème. Parce que même en journalisme, aujourd'hui fait, au traité, après au diffusé. Voilà. Ça doit passer par les traitements. C'est que moi je suis en train de dire, avant de commencer une information par la bandeko, il faut la traiter en haut. Pourquoi pas faire cette enquête là et que tu as tous les éléments après OP ça va être information. Mais quand toi tu viens donner l'information au moment où tu n'es pas passé par les traitements, c'est ça aussi un autre problème. C'est ça aussi place aux photos mais qu'on recadre bande qu'on a sur la confrérie. Ça veut dire que le fait qu'on est journaliste, nous ne sommes pas de toi banzambété. Nous ne sommes pas de Dieu. Qu'on peut se permettre de tout dire, qu'on peut se permettre de tout faire, sans pour autant réunir les preuves matérielles. Les Ouéra ont été victimes de tout ça. Les JB, les leaders, tous les leaders de la musique, à un certain moment, ils ont été victimisés par les journalistes. Des fois qu'ils disent des choses,
mais qui ne sont pas associés à certaines preuves. Moi, je pense que la démarche, pour moi en tant que journaliste, c'est de kozonga pena na éthique et déontologie professionnelle. C'est-à-dire que aux juifs fenayo, au traité yango, au diffuser, tu as tous les éléments possibles tant aux opé ces informations, aux a obligé ya ko pesa ba tu information ou est vrai, toi na rôle ya ko informer ba tout, toi na rôle ya ko désinformer ba tout. Si on se fait comprendre. Notre rôle c'est d'informer. Notre rôle ce n'est pas de désinformer l'opinion publique. Alors, si on a journaliste, on nous a informé. Alors, viens avec Makambo et Moni que j'ai réuni ces éléments. Et ça, vrai, Nairo Loba. Donc, moi, je pense que dans cette histoire, on attend les preuves. Mais ceux qui prennent les en tout cas, moi, je conseille à tous les confrères journalistes, tout comme on a un niveau au TK, au commun, un problème. Et comme il y a une négociation, et comme il y a une entité, faisons attention à ce qu'on est en train de dire. Faisons attention à ce que nous sommes en train de publier. Dans l'article, dans le journal, dans l'émission, pour que tout tombe, dès qu'il y a un problème, il y a la justice, il y a un. Oui, il y a aussi un autre truc. Moi, je suis journaliste. Et ça, c'est comme ça, il y a un journaliste à côté de la prison. Journaliste. Donc il y a certains confrères aussi qui ont créé le roman pour épaissir l'audience, pour les qui sont dans le cachot, les qui sont dans la prison, pour dire ah, j'ai fait la prison, j'ai fait le cachot, j'ai fait quoi que ce soit, pour confirmer épaissir notoriété. Mais moi je pense que ça ce n'est pas bien. Voilà, merci donc, beaucoup. Moi je pense que dans le dossier où il y a que même les musiciens ont le droit. Il y a aux alapés critiquer positivement comme négativement. Sauf que tu as par exemple, artiste Moko, à ça, le loro Moko Oyo, tu as dit que le Kambo est un peu comme ça. Il veut créer de la notoriété autour d'un mensonge. Ça aussi, sur toi, journaliste, nous devons décrier ça. Nous devons dire. Parce que le rôle n'est pas éclairer l'opinion. Tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça, tu es un peu comme ça. Mais pour certifier le Koutawana, il faut yo aux alananini na ba preuve. Que Makambo artiste à lobby a aussi parce que ba preuve nanga ezo laxaké a aussi. Mais tant aux ana preuve té et que muntu a lobby loro na ye. A té ki image na ye, na ndenge mo bo yo ou contredire ye mais autour de toi tu n'as pas de pièces. Oui, ezo laxaké. Moi, je ne soutiens pas ce genre de démarche. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis toujours avec Trésor Lumière. Natskal Gana, des questions. Na profiter na pesa merci à Yannick et Kayenga, la monnaie invisible, les monnaies invisibles. Merci à vous. Merci à Nabamasa Toubata Larabiso. Donc, et pourquoi pas déclarant international Yannick Ndoulou na pechopé bambote belé. Merci à Yannick Akini à Rombox acteur à film moto leki azate moto longola rachang Sony Yannick Akini à très très fort Trésor Mouti Fondation Mouti Akim Saloum le Neymar congolais Léa Théo Zamrota patron responsable un mot pour na faire rigoler dynastie. Très bel album, très bel album, je l'ai suivi, je l'ai écouté. D'ailleurs, on a dynastie Bimayi Liboso. Il y a un de ces la carte rose, mais non, 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 mais n'a évité. N'a évité. On est à chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, la dynastie à Liboso. Mais la dynastie Outio Bima, on a un de ces ouragan. Oh, bah, il m'a vu un abisso malage. Mais non, ça c'est la pire rumba congolaise. La pire musique congolaise dans tout dans tous ses états pur. Et félicitations à l'artiste, il a fait un travail exceptionnel. Makam na uto loba. Dans une minute carte rose wana ya ferré. Yo ye, oyebi na nzem bwana se peli sa rabato. Eza nzem va bien, moyo boyango. Et là au moins eza bien, oyé oboyi yango kaka. Non, ça c'est pas bien. Neti en parlant de Ferré, notre frère Mouzé Kindingo, je pense que depuis un certain moment,
il avait commencé à bien faire son travail, mais comme quoi abusé. Là, la lobby, désormais, Bourbano Monanga, pour la recette, il y a un recadrage, il y a un dérapage. Ah! Naïe Rosala, recadrage, il y a un dérapage. Rôle, il y a trésor, lumière, siko. Donc, bande de combats journalistes, vous qui êtes chroniqueur, il y a internet, vous qui êtes chroniqueur, il y a média normal, je suis là, je vais animer une série d'émissions pour na osa la recadrage, il y a un dérapage. Ça dit que, ce que vous artiste, vous avez vanté, mais vous avez artiste mon souté. Côté à insulte, c'est ce que moi je ne veux pas. J'ai suivi une vidéo, Mouzé Kindingo en train d'insulter Héritier Watanabe. Kogan. Non, ça c'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. N'a côté le Melayango Tisuka. Héritier, Tozala, honnête. Je ne suis pas porte-parole d'héritier, mais héritier c'est un frère autofaninaï longtemps. Ensemble. Mais si dans ma vie j'ai vu des gens bons, ngai trésor. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, à Zongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe koyokan doule na niveau ya deux fois te boye bake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Puis samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie qui toko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Puis dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emel alias de Mingongo, La Voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Eko Banda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aiment la Silesi, Mbalamoko Night Club, To Boîte et Fungwami, à partir il y a minuit. 5h avec DJ Bobo. Oyo, à cause de Pelissabino, on a bandou les peines ambiance. Il y a qui toco. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Nous te reçons la 50 boîte. Le Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga, Twanga Nantaba, et Zouami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, Chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga, Twanga Nantaba, Yangonde Zali, mo boko y ambiance, na kati à Paris, pe na France, mo Bimba. Attention, 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 attention. Tout qui s'en a. Chef, ma mère m'a passé l'un à qui s'est passé, mon frère, mon bras, chef, voilà. On m'a dit des ostéopathes, Oyo. Et ça pour la faiblesse sexuelle. Et pour la fragilité pour la basse. Et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, ce n'est pas ce traitement, il y a tout. Il y a hémorroïdes. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps à papa. Ce qui est pour l'ingé, on mesure. Ma centimètre non avant de nous parler. Pour nous qu'on le ça, on commence à les on commence à les bronzes, toujours champion. On comprend? Par question de cela, question, on pense que c'est comme soutenir le Congo, quand on a laboratoire, mais à missile. Et puis, et ça l'a mis dans le à Congo. Dans le centre à Congo. Mais c'était mon soutien. Il y a Congo. Maman n'a pas il n'y a pas trop possible. What a nerve! Thank you for this, boy.
Je suis un peu plus de temps. Et puis, dans le master, na niveau de l'université Marie Ngouabi, na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques, thérapeutiques, naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, et le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire, qui est parti, il y a un été dans le biseau, il y a Congo. Qui est venu sur le réseau de la CRMTA, et subir bah essais toxicologiques et puis bah essais cliniques oh ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bien et puis bah qui si on est dans la CRMTA ils allaient homologuer le ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la bah autorisation d'ouverture ils ont la bah autorisation il y a mis sur le marché au niveau il y a Mboka et puis les bandes il y a Mboka bah qui si on est dans produire la CRMTA et puis pour le moment, dans n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence pour les autres dans la mort du biso, na ba tradi thérapeute ou ba naturo thérapeute. Et où y a biso, donc le Héritier Watanabe fait partie des bons que moi j'ai connus. Nalbanel Goloba, héritier Watanabe, que j'ai connu, nous avons vécu ensemble. Si moi j'ai connu trois bons dans ma vie, héritier Watanabe fait partie des garçons bons, généreux, gentils, que j'ai connus de ma vie. Chacun d'entre nous, a quelque chose, a un témoignage, il y a bien à Roussala Héritier. Héritier était musicien au sein du groupe Ringue Musique à Maison Mère, mais il se comportait déjà comme un leader. Il réglait certains problèmes, voire même de ses frères au sein de l'orchestre, voire même de certains fans. C'est quelqu'un qui est naturellement bon, que nous devrions aussi protéger. Que nous autres, nous devrions protéger. Et puis c'est un artiste qui est en train de bien faire son travail. Ce qui est un musicien, un jeune musicien, Lelo, il y a Congo, il y a génération Oyo. Ce qui est un micro, il y a un musicien qui est héritier. Mathieu, je ne sais pas si je mens. Il est héritier. Il parle en bien de ses frères et à maison mère. Il parle en bien de ses d'abandonner. Na mon héritier dans une des émissions, je vais manger mon fali. Na mon héritier dans une de ses émissions, Azokoumi sa fère Cheta. Ah bah on a Cheta, douze malades Yemba. Na mon héritier bah ah tout ça la Dieu mon Cheta na maison mère toi manger. Na mon akiboye kodabia tout ça la bah fleur mon gwana. Malheureusement clip manger mon ébimat. Héritier Watanabe. Héritier. C'est quelqu'un qui parle à l'obara moutounion ce bien. Et là, je coûte à papa naïwe rason kolobate. Héritier dans son disque à Boaka Papa chéri, j'ai bien bien Konzaba Wing. Héritier parle bien de Kofi Olomide. Héritier, na mon héritier était dans des polémiques inutiles. Mais comment Mouze Kindingo que j'ai regardé se permet d'insulter héritier gratuitement comme ça? Tout cela doit être arrêté. Il faut ici là. Ah! Il faut ici là. Nous avons intérêt à protéger bah diamant Nabiso. Bah héritier, on a bah diamant Nabiso, faut te protéger. On ne peut pas voir des gens comme ça réveillés un bon matin, bah nous offrir la moto gratuitement. Ça, je ne peux pas, ça ne peut pas passer chez moi. Peut-être bon niveau mon côté, héritier c'est un patron qui a derrière lui des vies à bateau. Héritier, nous aurons une délégation, il y a 30 personnes, il y a plus de 20 personnes, comme Manapoto. Et on vient comme ça gratuitement à l'occasion de rien l'insulter. Ça doit arrêter. Et je le dis tout haut devant ta caméra. Il faut ici là.
Nathalie vidéo moro na moni manike en train d'insulter bon toi na bana nos enfants aujourd'hui bazana accès na téléphone bazana accès na internet nous qui sommes parents il faut te prôner par des bons exemples. J'ai vu manike en train d'insulter nzoto ya mwasi ya mama ya mutu moro. Ah et ça passe, il y a des gens qui regardent ça. Nous avons le CESAC avec notre frère Christian Bossembe. C'est un frère, nous avons travaillé. Moi, j'ai travaillé ensemble avec Christian Bossembe à la RTGA. Je connais les talents de Christian. Mais Christian, s'il te plaît, cher ami, cher frère, cher confrère, aujourd'hui, vous êtes une autorité. Mais il ne faut pas laisser passer ce genre de messages. Il faut sanctionner. On ne peut pas permettre des gens qui se réveillent le matin insulter Banzot et Abamama et Abato. J'ai vu Manike le faire dans une vidéo virale sur Internet. Comment on fait passer ces gens de gens? Et il y a des gens qui ont dit que c'est un peu de gens sur Internet. Qu'ils ont gratuitement. Insulter les gens. Et puis, pour autant, ça, ce n'est pas normal. Moi, Trésor, je m'insurge contre tous ces genres de pratiques. Et je le dis tout haut. Quand on le bat, c'est moi, j'assume mes propos. Toute pratique ayant trait à Kofing à bateau, ils a bien été. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu, on est presque. Pour conclure, donc, il faut te prendre ma valeur. Lélo Mathieu, bon, je t'avais vu à Dubaï. Mathieu, Fingaran. Natikala Kofing à ta mission, Moro. Natala Kayo, Natikala Komono place, Moro Fing à Moutouté. Mais Moussala ne m'a mis au Dubaï. Je vois notre ami Franck Stemaï. Lelo Franck Stemaï à Mati Makas, il est parmi meilleurs journalistes. Lelo Franck Stemaï dans son émission Afinga déjà Nani. Franck Stemaï. Je vois Vincent Chiluiz. Je le vois avec Maman Olive, Naomonae partout. Mais Afinga Ranani, c'est son travail commissionné à niveau. Wana. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que ce Fingi n'est pas de Bacheoka? C'est faux et archi faux. Et moi, je suis contre ça. C'est-à-dire que nous devons primer les valeurs au détriment des anti-valeurs. Ce qui te dit que loco est bien, tu le dis que c'est bien. Ce qui te dit que loco est mabé, c'est mabé. En tout cas, ici, j'interpelle mon frère Christian Bossembe. Il me connaît bien. Et personnellement, je sais que c'est un garçon très intelligent. C'est un garçon qui a des valeurs. Il doit en tout cas essayer d'assainir ces secteurs-là. On ne peut pas dire que Internet est un peu papa Zalarate, maman Zalarate. C'est faux. Sauf qu'en Chine, l'Internet est réglementé. En Arabie Saoudite, l'Internet est réglementé. En Égypte, l'Internet est réglementé. Donc, kaka awa, on peut se réveiller un bon matin, on se dit téléphone, on va nous finir à battre l'internet. Non, non, ça, moi, je ne peux pas être content. Voilà. Voilà, chemin de la gloire avec l'artiste émissien héritier Watanabe Sipo. Bientôt là, Nabige ba Spiritas, tout basozi la chemin de la gloire, bisou ba jeune. Quand tu es jeune, faut te soutenir héritier Watanabe, la poulga, chemin de la gloire, Oyope Zoya, Nabige ba Nzimba bien Zoya. Lui, il nous a jamais déçus, hein. Héritier ne nous a jamais déçus. Je l'ai vu à Betty Concert à la présidence. Il fait danser Mikolo. Il fait danser tout le monde. Héritier est intergénérationnel. Et c'est quelqu'un qui sait entretenir ses relations. Héritier se résout problème à Oya Kotalayo. C'est un diamant que nous devrions protéger. Qu'on ne peut pas laisser les certaines antivaleurs, les cabanes au fin rabattu gratuitement. Ça, moi, je ne suis pas contre. Voilà, héritier Watanabe, c'est pour bientôt là. Chemin de la gloire. Merci à président des Ikabou Sport. Et merci à ma fan, tout, ma spiritas, tout, il y a monde entier. Trésor Poutouya Gaga, notre futur honorable, numéro 1020. Hein? Merci beaucoup, Balobi Banachang, Barovoto Nanko. Merci à Baudry Bolanga, à Elvino, les créateurs des idoles. Et sans oublier, Alves La Poulga. Bientôt.
chien mais de la gloire avec héritier Watanabe Torozela. Un mot pour Namboka na yo, tala Namboka na yo Congo, trésor lumière, regardez un peu bas politiciens, élections zoya, population zo souffrir, makambo belé belé. Un mot pour Nango, pour Namboka na yo politique Namboka na yo. Toko si c'est mission té ça qui est tout à la politique Namboka na yo. Un mot d'abord pour Nango. Merci, merci Mathieu. Ah Mathieu, na moni peno koli si boulot. Ah bon chi. Zalaboye. Zalaboye, papa Zalaboye. Congo, tout le monde a besoin de ce qu'il y a de valeur. On est pas Mathieu Boye. Yo, ça va bien. Voilà. Alors, politique à Mboka. D'abord, nous devons dire félicitations à Fatshi Béton. Qui est notre président. Qui est notre président. Voilà. Félicitations à lui. Pourquoi? Il nous avait promis les élections en décembre 2023. Et nous sommes presque à 80%. Des élections. Voilà les politiciens, les hommes politiques que nous, on veut dans ces pays. En 2018, tu vivais qui alternance politique. Tout le monde a tu vivais qui alternance politique. En 2018, avec les passages, la passation du pouvoir démocratiquement du président Joseph Kabila voilà. Au président Fatshi. Et ça qui une réussite. Bah tout monsieur Azaloba, ah, c'est une aventure. Oyo, et qu'on souka en 2018. Voilà. Mais 5 ans après, jour pour jour, nous sommes en décembre, nous sommes en octobre 2023. Mais là, tout ça déjà à quelques jours de la réalisation des élections en République démocratique du Congo. Disons merci à Fatshi Béton. Merci à Fatshi Béton. C'est comme ça, on veut des hommes d'État comme ça, Namboka Oyo. Et nuance. Et ça que le président sortant de 2018, le président Joseph Kabila, notre président honoraire, il vit en République démocratique du Congo. Il vit à Kinshasa, dans Kingakatinae, tranquillement, sans être inquiété. À Matarabavion, à Kendara partout, sans être inquiété. Dans mon maman livre, faire ses activités, à sa activité dans la fondation, mais ça c'est vraiment ce que nous voulons pour ce pays. En tout cas, Fatshi Béton, Isaac au flatté été. Isaac au Koumis a été. Félicitations, notre excellence. Au Prometagi par élection, toujours qui ne vers par élection, cap vers les élections, distraction exacte, félicitations à Fatshi Béton. Et puis, moi je m'insurge encore, contre même des confrères, je vois notre frère Perrault, Loire, tu le connais non? Oui, très bien. À ça, l'arbre intervention, que je suis, c'est un garçon très intelligent. Même Azoloba français, on sentait qu'il place des mots et oh, et puis non, il fallait à placer la place au fois plaçant. Mais moi, c'est que moi je suis en train de contester dans la démarche. Il y a un négociateur sur les médias et ça, dérapage. N'a pas insulte. Trésor lumière, n'a pas beaucoup d'émissions pour n'a pas contrer comportement. Perrault fait bien les choses, moi je le regarde. Il est congolais, il a le droit de s'opposer na makambo ezo le kana pouvoir. Mais sur le côté, il y insulte, il y a ko finga. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas bien. Bien que vous soyez confrères, bien que vous soyez de la presse, mais ce qui dérapage, il faut toko marana niveau, il y a ko dénoncer. Donc, on peut faire nos analyses objectivement. Dire que ah, dans ces secteurs ça n'a pas marché, côté simité, côté social, c'est bien. Mais qu'au fin, il ne faut pas insulter. Parce que tout ça, quand même honnête, notre pays est quand même. Même à tête dans tous les secteurs de la vie, nous sommes simité. Mais quand même, le lot est comme à un niveau qui est au képé dans l'urne. Yo Mathieu, voter pe président Achoua Nayo, ou voter pe candidat député Achoua Nayo, mais ça c'est une avancée grave pour ce pays et nous devons applaudir. Fatshi Béton. Félicitations à Fatshi Béton. Et puis, nous avons profité de la micro pour féliciter les hommes d'État Oyo, qui se démarquer
nanenga bien neti banani neti mama fifi masuka na kolwezi mama fifi masuka c'est une dame aza mwana ya mwasi to benge mwana mwasi neka to loba mais c'est une mama c'est une dame c'est une mama mais tala ndenga zo moderniser province wana ya kolwezi tala aéroport et salami na kolwezi tala ba infrastructure zo salama na kolwezi banzela. Mais c'est une dame, maman Fifi Masuka, na mona bato a kumi sara bato a bongote. Dans ces pays, tu es quoi encourager banti valeur. Mais muto a gusala makambu ya bien. Neti maman Fifi Masuka na pesie mbote na yebiete na tala gani na TV. Mais na tota la réalisation de cette dame là, mais asa muto photo bete la maboko. Na nenga ma bete basa bato foko pesa bango reconduction ba continuer gusala musala na bango. Va continuer ma projet na bango coup de chapeau na maman Fifi Masuka le to ala mutuneti Patrick Muyaya na nenga mabeti Patrick Muyaya je le connais à l'IFASIC étudiant tango bandi ba carrière professionnelle na ye na zo tala eti azo kende mais ozomo na mna mutabandi na boya zo mata vois ses interventions vois les mots que ce monsieur place regarde les français de Muyaya. Je suis fier d'être congolais et d'avoir un tel ministre de la communication. Moutinette Patrick Muyaya, il fait bien son travail. Obo Yangonden. Tozana, papa Nabiso, Jules Alingete, IGF. 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 Jules Alingete, IGF. IGF, Jules Alingete. Salagi Toko. Mais comment Obo Yamoutanengona? Vous savez, à l'époque, qu'à la PDG, qu'à la ADG, c'est synonyme d'une gestion sans contrôle. D'une gestion sans contrôle. Être ministre, tu peux te permettre de faire n'importe quoi. Mais depuis Jules Alingete est venu avec l'IGF, au moins à peine que les politiciens, nous sommes politiques, bah, comme dans moi, Kobanga. Bato badana ba poste à responsabilité, bah, comme il peut dans moi, Kobanga, que dans quoi ça, n'importe quoi, tu es IGF Aroya. Est-ce que de telles personnalités, tu es là-bas, ma bonne côté pour la moussa là-bas, ça là. Pour ne citer que cela, papa Bahati Bosani. Tu es ce qu'on a sénat, tu papa Bahati le Kwebo. Kwebo, papa Bahati. Moussala, Eza Roumonana. Ça veut dire que place Oyo, Eza bien, Tolobik, Eza bien. Démarche dans la trésor lumière, Yangouana. Tokoya ko encourager, Bato Nyon, ce baza, ba valeur, na ba valeur, même na presse, na bisona lobia, wa Péro Louara, c'est un journaliste extraordinaire. Mais bémol défaut mon kozake banalise na oui au salango objectivement mais dérapage ya ba insulte ko fingara batou ko kotaka na ba vie privée ya batou ça ce n'est pas bon ce n'est pas notre rôle et ta rôle na bisoté ça ce n'est pas bien reste professionnel s'il faut analyser les faits, s'il faut qu'on s'oppose à la politique en place, ça là, mais avec des arguments normaux, avec des arguments, il y a bien, mais qu'on a fait un rabat, qu'on a vu un rabat, tout ça, non, ça moi je suis contre ça. Merci. Ça je te le dis, je suis contre tous ces dérapages. Là, c'est un ramassé, on a un contexte moins ébélé. Voilà. En tout cas, ce n'est qu'une première des émissions. On va continuer comme ça apprenez les valeurs na Mboganabis. Désormais on va continuer avec l'émission apprenez les valeurs. Donc merci aussi à grande dame Balobi Malungi Lutadila mère Malou au azape candidat moko ya kutaba $100. Ah ouais, maman Malungi. Thérèse Malungi Lutadila mère Malou. Voilà. Tous en a besoin de soutenir ba valeur. Na tu betele le solo ya maman Fifi Masuka. Voilà. Aza maman, mais t'as la prouesse, t'as la réalisation de la personne à Kolwezi. C'est une maman. Le nom de RTNC, la DG actuelle, c'est une femme. Mais au début que tout ça est arrivé à Pape, la RTNC a été à la hauteur. Tout ça est francophonie. Les images de la RTNC relayées par TV5, nous avons vu le résultat. Mais c'est une dame, pas la DG à RTNC. Alors, sope tomoni, ba candidate net ba maman Thérèse Malungi Lutadila, mère Malou.
ce sont des candidates que nous devons aussi soutenir. Yabiso Yachang. Il faut soutenir ba maman ba évoluer ba kende ba landa par exemple ya maman Fifi Masuka ba ça la ba grande réalisation. Donc biso awa tozaka comprendre ba valeur. Je suis là, je vais militer contre toutes les anti-valeurs et ce n'est qu'une série d'émissions na bandi Mathieu na rozala disponible et disposé pour na ko redorer image ya mboka na biso na ndenge ya bien. Voilà. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, on est presque à la fin. Je dis merci à les gouverneurs les plus compétents. Jantiningo Bilambaka, depuis l'histoire à Mboke Banda, les gouverneurs les plus compétents. Jantiningo Bilambaka, merci à vous. Merci à Ticho Indambiko, notre conseiller spécial. Triske Makengo, garçon très très responsable, Nabosanité. En parlant de Jantining, en parlant de notre gouverneur Jantiningo Bila, en parlant de lui. Soyons réalistes. Jantiningo Bila n'a pas tout fait, mais Jantiningo Bila n'est pas médiocre. Il n'a pas tout bien fait, mais quand même, on doit être honnête, c'est l'un des meilleurs gouverneurs que le Kinshasa a connu. C'est là l'histoire de notre pays. Mais je vous dis, Jantiningo Bila, c'est l'un des tout meilleurs gouverneurs que Mbokaoyo Kinshasa ait connaître. Je peux te citer comme ça. Nous avons connu Mungulu Diaka. Nous avons connu Lunda Bululu. Des vrais gouverneurs qui ont empreinte. On peut vite faire. Nous avons connu Maman Nzuzi Wambombo. C'était une dame. Elle aussi, quand elle était gouverneure, elle avait bien fait les choses. Mais aujourd'hui, nous devons être honnêtes. Jantiningo Bila, c'est l'un des meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa ait connaître. Sur Otali Banzela, Otali quelques réalisateurs, Otali Lelo Zandu, Otali Mamakamio Sunezo Salama, Moutouaboy Ponanga. Ponanga. Ponanga, si ce n'était que pour moi, on peut essayer de reconduire Jantini à continuer Moussala tout à la vision d'un PSO. Jantini Ngobilambaka, notre gouverneur le plus compétent, Patrick Imajoyebi, na ACP Changu, Triske Makeng, Bozamo Ebele. Merci à Maman Elodie. Maman Elodie Balobi, FPI Matadi. Très très intelligente notre maman. Maman Elodie, merci à vous. Merci aussi à futur honorable Paulette Kimuntu. Il n'est pas à grand dame, hein, à côté de Chang ou Paulette Kimuntu, à journaliste. C'est une consoeur, oui. Intelligente aussi. Voilà, nous, Paulette Kimuntu. Nous l'encourageons. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Merci à Commandant Cousteau. Motema Yatutungoi depuis Londres. Commandant Cousteau. Motema Yatutungoi depuis Londres de la part des maîtres États-Unis. Merci beaucoup à tout le monde. C'était Mathieu Bonchier face à Trésor Lumière. La voix autorisée de tous les jeunes parce qu'il défend des jeunes. Azo défend des bisous, chroniqueurs, autoroyables, journalistes. En tout cas, désormais, après deux jours, trois jours, on va nous en avoir émission. Tout cela, on a une série. Voilà, on va nous les caper partout parce que. Pour recadrer en tout cas, anti-valeur. La politique, la musique, la pnyonso. La politique, la musique, la pnyonso. Parlons rapidement. Ah, il faut tout ça rappeler, monsieur Bélé. Bon, moi, je vais vous dire. Tout le monde est en Kaboulou, moi, Kaboulou. Voilà. Il est un confrère, journaliste. Il n'a jamais été député. Il n'a jamais été un homme politique. Mais tant que tu as commis devant les défis majeurs, il y a sport. Le président de la République, Fatshi Béton, a dit non. Il faut tout ça un technocrate. Photo tcha moto a yebi makambuya, il y a sport. Bale karate, il y a sport en général. Mais tala depuis Kaboulou, moi na Kaboulou, aza ministre y a sport. La RDC, tu as qui dernier à poule na biso. Le RDC, tu s'est qualifié na Cannes en tant que premier. Tala, comment est-ce que la francophonie s'est passée? Le linafoot et zongi. Est-ce que on ne peut pas applaudir quelqu'un comme Kaboulou, moi na Kaboulou? Mais qui n'a jamais été député, qui n'a jamais été politique. Mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine du sport. Il a œuvré en tant que journaliste sportif beaucoup d'années. Et tant que tu as commis un moment où besoin de Zalaki, notre niveau, au lieu de tient un homme politique, au lieu de luka quota politique, au lieu de luka prenons un technocrate, quelqu'un qui maîtrise le rouage.
on a mis Kaboulou, moi, la Kaboulou. Et aujourd'hui, nous avons le résultat. Le résultat est palpable. Alors, ce sont des valeurs comme ça que Bissoba Trésor, il faut te promouvoir. Voilà, merci beaucoup Togomi Nasuka, Bambote, Bambote no pesi na banane parce que ngana pesi délégation en Afrique du Sud, baza moi et belé ba otala biso donc yo pesa na Bambote. En tout cas Bambote nanga na pesi na bato nyonso batali biso, surtout na ba candidat député crédible. Na lobby ba candidat député crédible, to osala ba série d'émissions. Voilà. To osala avec Mathieu, to osala Boya, soit tu as un projet de société dans les abiens, tu as un misayo. Tu as un électeur, il y a circonscription, il y a un voté. Soit tu as un projet de société dans les abiens. Il y a un projet de société, il y a honorable Paul Bindou Moussambali. Il y a un projet de Lukunga, Paul Bindou Moussambali. Il y a un projet de société, il y a Christian Nyakeru. Christian Nyakeru. Nyakeru. C'est un jeune, hein? C'est un jeune. Christian Nyakeru, on a mon projet de société dans la Lukunga, bana ya Lukunga, ba jeune. To voter massivement Christian Nyakeru. Parce que projet na ye de société, tout le monde a dit que ça a esprit, il y a que sa émergence dans la jeune. Christian Nyakeru, na pe si mbote. On ne s'est jamais vu. Mais Natanga qui vite fait projet de société na ye, à travers un ami Loris Mojaka. Natal n'a mais. C'est un jeune que nous devrions soutenir. Christian Nyakeru. Christian Nyakeru n'a pas si mbote place à Zali. Bana ya Lukunga, pour soutenir yé massivement. Et moi, Trésor Lumière, n'a zappé derrière yé. Et puis, n'a pas si mbote na bandeko, tu bata Steve Lufalanga le boss. Anise Lukunga, Kaza Japao, n'a pas si mbote. Diego Mubwala Digital na Belgique. Yé pe n'a pas si mbote. Et puis, évidemment, Maman Bertina Fofo la Portugaise. N'apprécie pas mon thème kasi bandeko nyonso batali biso to bandi sikoyo ko sala recadrage ya banti valeur nyonso place oyo ya miko eza pona ko finga batute eza pona ba règlement de compte te soki to ebi ke muninga sali bien musinga sa oyo ya sali ona to betela ngoma boko so pe ko to erreur ezali te o sali pe mabe bongisa mais ko yate ke to ebi ke likambo ezala raboye. Yo yebi mnange likambo réalité na ngoyo mena ki mutema mabe na keto ozera ko boya yango et puis ça sera dans tous les secteurs de la vie. Tozala wa pona sport, pona politique, pona musique dans tous les secteurs de la vie, on va essayer de recadrer les choses pour que pays au quand même ezwa un nouvel élan avec la vision de notre président. Lelo tozo vivre quand même ba élection ozoya peut-être président Fatih Betoa qu'on continue, à qu'on gagne, à continuer. Ceux qui payent à Zuité, opposant soit à Zuité, c'est comme ça que la politique du pays faut zala. Voilà. Il faut zala rotative, voyez. Que les lobes tout à la vision à boyer, ça la paye bien. Le bipe moussou soyez. C'est comme ça nous devons vivre dans un pays apaisé comme ça, dans un climat apaisé. Et c'est ça. Nous sommes la RDC. La RDC est très grand. C'est un grand pays en Afrique et nous. Qui sommes son peuple, nous devons aussi être à la hauteur de la taille de ce pays. Merci. Voilà, Obosani, Armand 100 dollars. Armand 100 dollars, Armand 100 dollars, Armand 100 dollars. Banan Changu, nous devons soutenir de tels jeunes. Armand 100 dollars, bon vent à toi, grand merci. Voilà, merci beaucoup à la délégation Tua Djobou, Jires Issa de Djobou. Merci à vous, merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, et à Mama Charity Moleka Yabiso, Yannick Akini à Rombox, Mathieu Bonchagoya, Afrique du Sud, Nakadra Boulot, Trésor Mouti, Fondation Mouti, merci à vous, Hakim Saloumou, l'Enemar Congolais, Nabo Sanité, Francis Océan Big Boss, Francis Océan Big Boss, Aimé Kapongo. Napesio Bambote Bele et Mekapongo. Merci à Katanga le suspect. Katanga le suspect depuis Djobour et Bamasa Tubalingarabiso, Bavienanga, Bali Passa Bambongo. Bozamwa et Bele, ba Trésor Mil Djenda. Naroya Djobour, Kosalara Boulo, Naibike Akei, Kosala bien, Masananga Benji officiel, Oyebi Marambo, yo bien. Merci à Yordi Lomampou, Yaya Jordi Samba, Yaya bienvenue Vangasel, Yaya de Gol Mata. Voilà, bah vient en Haï, Landou Mouzinga Mokonzaren, La Joie, Amado Pichou, la femme très très fort, Sam Kunku, le nécessaire, Yaya Aimé Kunku, sans oublier Trésor Bozo, le manqué le plus cher,
na bosani télé ya dimbi mama social ba master baza ebele tokuta na mbalasima toujours avec Mathieu Bonche, pourquoi pas votre émission PC la plus plus. À la prochaine, bye.